La semaine de l'expression, c'est une semaine qui a été mise en place par les élèves du conseil du lycéen et les élèves de la maison des lycéens, donc les associations hébergées de l'établissement, pour montrer les œuvres artistiques des élèves et aussi des adultes, des personnels de l'établissement. Alors cette semaine, elle a lieu du 14 au 18 mai, tous les jours de 13 à 14 heures, donc sur ce créneau horaire est banalisé, les élèves n'ont pas cours et donc ça leur permet d'aller voir les différents pôles, les différents ateliers. On a au sein de la maison des lycéens une exposition sur tout ce qui est photographie, dessin d'élèves, poèmes, pourquoi pas aussi, les élèves peuvent le mettre, avec une projection aussi de photos, hein, parce qu'on a beaucoup d'élèves ici qui font de la photo en extérieur ou dans le cadre de l'atelier avec M. Veracruz, hein, dans le cadre avec un professionnel. Et puis ensuite, en salle polyvalente, là est présentée la magie, des concerts. Donc là, pareil, ce sont soit des élèves en conservatoire, soit des élèves qui révisent tout au long de l'année avec la salle de musique qui est mise à leur disposition. Donc ce sont des élèves qui ont créé des groupes au long de l'année, voilà, parce qu'ils cherchaient des musiciens, donc ils ont créé des groupes. Et puis on a aussi des projections d'élèves, donc dans le cadre des classes d'exploration média et cinéma, il y a des films qui ont été faits, donc qui sont projetés en salle 105. On a du théâtre au CDI, de la danse. Voilà, il y a différents lieux en fait, où les élèves peuvent accéder pour voir ce qu'ils ont envie, de faire. Moi, mon rôle, c'est d'essayer d'aider les élèves qui ont imaginé cette semaine, de les aider à coordonner un peu l'événement et puis de s'assurer que tout soit bien mis en place et de leur donner un coup de main pour anticiper. Voilà, anticiper au maximum l'organisation d'une semaine de ce type-là. Voilà. Et les accompagner, bien sûr. Ça, c'est mon rôle au quotidien. Alors la semaine de l'expression, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul moment de l'année où on peut voir l'expression des élèves. Alors voilà, à travers l'art, quel qu'il soit, que ce soit vidéo, peinture ou autre. Mais je trouve que c'est essentiel parce que notre travail à nous d'éducatifs, c'est pas seulement de présenter des projets pédagogiques comme l'option théâtre ou autre, c'est vraiment d'essayer de présenter des projets que font les élèves à l'extérieur de l'établissement et ce qu'ils sont vraiment eux. Je crois que c'est le moment de la semaine, ou de l'année en tout cas, où on peut le faire. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Je vais présenter six textes que j'ai écrits, que je ne saurais te décrire. Trop naïve, trop généreuse que tu as partagé tes richesses avec les étrangers de ces pays. Pauvre de toi, pauvre de nous, on s'est fait dépouiller, oh maman. T'es fait abuser par des violeurs. Oh maman, don't cry. Maintenant ce sont tes enfants qui te violent à leur tour. C'est devenu si normal, il n'y a plus d'amour. Et ça me fout la haine. Assourdi, en puissant, il pleure, il rit, il sourit. Il comprend qu'au final, l'argent dirige leur vie. Qu'il n'est pas le seul esclave, Mamadou est esclave de ses maîtres. Mais ils sont esclaves de l'argent qui est leur maître. Un colon peut affranchir son esclave, mais l'argent l'utilise jusqu'à la fin de sa vie. Bien content de son raisonnement, il est affermi et prêt pour affronter les futures péripéties de son voyage qui est très pénible. Il voit des viols, d'abus sexuels, des enfants tués. Tu m'étonnes qu'il a hâte de s'enfuir. Il pense ne plus voir ça en Europe. Or c'est pire, mais on n'en parle pas dans Super Nanny, n'est-ce pas? Savoir que je ne rêverai plus, que je ne rêverai plus de toi, que tu ne me hanteras plus. Tu as bien fait de ne pas m'aimer, je ne le mérite pas. Mais la prochaine, préviens-moi avant de faire n'importe quoi. C'est fini pour moi et c'est le début pour toi. Une nouvelle vie nous attend. Viens avec moi, meurs avec moi, je suis toi avec moi s'il te plaît. Je ne veux pas aller tout seul au paradis, je veux être avec toi. Je ne vois pas l'avenir mal, je la vois toujours pire. A chaque bombe lancée, c'est l'effondrement d'un empire. Je marche la tête baissée, car j'ai peur d'être libre. Avoir des libertés comme mon blanc ne fait pas partie de mon livre. Mon livre et mon cœur, qu'ils ont effacé le début de l'histoire, on oublie. Des bulles certains nourrissent la rancœur, mais pour avancer, il suffit d'y croire. Thank you.
back me up when he's so low. When I'm wiser, when I'm older. And all this time I was fanning myself, and I didn't know I was a man. So wake me up when he's so low. When I'm wiser, when I'm older. And all this time I was fanning myself, and I. Juste ici, prendre quelque, enfin, choisir un mot qui est concret, quelque chose qu'on peut matérialiser. Oui. Tu l'as? Oui. Je te donne le livre. Tu peux mélanger le livre. Non, ça c'était une blague. Est-ce que c'est humaine? Non. Est-ce que c'est... Bon, ça va, j'ai déjà trouvé la page. Yanis, peux-tu me dire un chiffre entre 1 et 10? 2. Ok. Une. Deux du dessus. Et donc la bleue. Juste là. J'ai oublié ton prénom. Emma. Parce que tu ne l'avais pas dit, je pense. Est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10? 1. Nous avons une dame de carreau. Une dame de carreau. Un 10 de pique. Et normalement. Et un as. De ma femme. Ah, la voici qui vient. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. Qui cela peut-il être? Nommez-le par son nom. Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. Qui est ce Célio? Connaissez-vous cet homme? Agirez-vous contre sa volonté? Oui, pour agir d'après la mienne, qui est sa sœur aînée. Et vous envoyez-vous en faire, mes frères Claudio, le juge, que je déteste, méprise et aborde depuis les pieds jusqu'à la tête. Je lui porterai donc votre réponse. Et quant à moi, je cesse de m'en mêler. Je suis comme un homme qui tire la banque d'un pharaon pour le compte d'un autre et qui a la veine contre lui. Il noierait plutôt son meilleur ami que de céder. Et la colère de perdre avec l'argent d'autrui l'enflamme 100 fois plus que ne le ferait sa propre ruine. Comment, Célio, tu abandonnes la partie? Que veux-tu que je fasse? Te défies-tu de moi, Cassius? Voilà, pas comme la neige, que se passe-t-il en toi? Pardonne-moi, pardonne-moi, fais ce que tu voudras. Va trouver Marianne. Il y en avait des tonnes, comme de la laine ou du coton. C'était vraiment bizarre. Je veux dire, c'est sorti de nulle part. Un coup de vent et tous ces trucs. Et pendant un moment, c'est comme si je m'étais retrouvé dans un nuage. Phil, t'imagines te retrouver à l'intérieur d'un nuage. Yeah.
la merde. Oh, c'est quoi ça? Ok, Bertello, vous voulez la musique qui bouge? Ouais. Bertello, je vous entends pas. Ouais. Et j'espère que ça continuera longtemps. Merci à tous. Bonne chance pour le bac.